Hey pote, hier soir il y a quelqu'un qui m'a dit: tu sais que t'es louche toi? Je lui ai répondu: laquelle, celle-là? Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psytrag et aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve sur... Non, c'est pas un jeu mobile, c'est une vidéo qui va parler de jeu mobile. Et c'est pas la même chose. Non. Tout simplement, aujourd'hui, je vais vous dire les 10 points pour lesquels un jeu mobile serait le meilleur jeu mobile qui pourrait durer dans le temps. Oui, parce que après bientôt, deux ans passés sur le jeu mobile, je me suis découvert une passion pour ce jeu mobile, pour les jeux mobiles. Je me suis découvert une passion pour les jeux mobiles et il se trouve que après en avoir essayé énormément, parce que forcément j'ai pas tout présenté en vidéo, mais j'en ai quand même essayé énormément. Et attendez, je rajoute un petit truc. Voilà, les chibouos, tu vois, parce qu'en fait j'étais trop loin, là je suis un peu proche, tu vois, comme ça on est un peu plus intime, tu vois, t'es... Avec voilà pratiquement 2 ans d'expérience dans le jeu mobile, du coup sur ma chaîne YouTube, je me suis découvert cette passion pour le jeu mobile et c'est vrai que hors vidéo j'en ai testé énormément. C'est le cas de le dire parce que j'ai pas tout présenté en vidéo, parce que forcément les jeux que j'ai envie de vous présenter c'est des jeux qui vont vous plaire, et moi si ça me plaît pas, bah c'est que ça va peut-être pas vous plaire. Je sais que déjà il y a des styles de jeu que moi je déteste, que certains aiment. C'est pas une raison pour laquelle je vais le présenter. Je vais pas me forcer à faire une vidéo que j'aime, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai décidé de lister moi-même les 10 points pour lesquels un jeu mobile serait le numéro 1 du classement pendant... très longtemps. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, attendez. Il y a un élément dans le décor que vous avez pratiquement jamais vu. Parce que je l'ai rajouté au fur et à mesure, et c'est vrai que avec cette caméra, bah vous l'avez jamais vu. Et avec cette caméra-là, c'était pas encore présent. Donc, ce qui va se passer, je vais les récupérer. Je vais vous laisser 10 secondes pour trouver ce qu'il y a dans la boîte, jouer le jeu, et si vous jouez pas le jeu, bah ça sera à vos risques et périls. Donc je vous laisse 10 secondes, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et dans cette boîte, il se trouve... Attention. Lâche ton meilleur pouce bleu. Et voilà, ça c'était fait, c'était ma meilleure intro. Voilà. Allez, on commence la vidéo, c'est parti, let's go. Ok, donc tout d'abord, pour qu'un jeu mobile soit le numéro 1, forcément, faut qu'il soit gratuit. Ça, c'est un truc qui me paraît normal, parce que je sais qu'aujourd'hui, sur le Play Store, comme sur les plateformes de jeux, tout est gratuit. Donc, je vois pas pourquoi aujourd'hui, un jeu serait payant. Deuxième point, le graphisme. Oui, pour moi, le graphisme est assez important dans le sens où on est en train de commencer à comparer le jeu mobile et le jeu console, dans le sens où les gens qui jouent sur tablette et tout commencent à se rapprocher graphiquement sur certains jeux type PUBG aux jeux PC console. Pas qualitativement, mais dans le sens graphique, c'est-à-dire que la 3D, les mouvements, la fluidité, tout plein d'éléments qui font qu'aujourd'hui, ce jeu-là, eh bah... il peut monter. Aujourd'hui, les jeux 2D, c'est un peu expiré, sauf les jeux type d'arcade et tout. Ça peut le faire, mais pour moi, un jeu pour qu'il soit numéro 1, avec la jeune communauté qui joue aux jeux mobiles, il faut qu'il soit 3D. Malheureusement, certains mobiles ne l'acceptent pas, dans le sens où c'est trop volumineux, mais je pense que au fur et à mesure du temps, les nouveaux jeux, les nouveaux téléphones vont arriver, donc vous inquiétez pas, je pense que bientôt, tout sera en 3D, il n'y aura plus de jeux 2D. Ouais, parce que l'autre jour, j'ai essayé un Battle Royale en 2D, ah, j'en avais marre. Ah ouais, j'en avais marre, hein. Ah, c'était sur une plateforme verticale, oulalalalala. Troisième point, et qui me semble très important, c'est l'identité du jeu. Pour moi, un jeu mobile ne doit pas reprendre les principes d'un autre jeu qui est déjà sorti. Ce qui est énormément le cas avec l'exemple de Brawl Stars. Brawl Stars est sorti, en même pas un an, énormément de copies sont sorties. Je ne citerai pas de nom, mais énormément de copies sont sorties. Que ce soit avec des chats, des tanks, des chiens, des avions. Il y a énormément de copies qui sont sorties, tout en sachant que ça n'existait pas sur Play Store. Et connaissant Supercell, ça m'étonnerait qu'il soit passé derrière quelqu'un. Pas envie de vérifier les sources, mais voilà. Pour moi, c'est Brawl Stars, c'est sorti. Il y a eu énormément de copies. Et c'est vrai que l'identité d'un jeu est très importante. Qu'ils prennent des principes, je veux bien, mais qu'ils prennent le 3/4. C'est pas bien. C'est bon, l'argent en haut à droite, on la connaît. Vous pouvez pas la mettre au milieu, en bas, je sais pas. Non, changez un peu. Au moins l'interface, quoi. Que ça nous change un peu. Qu'on se retrouve pas sur Brawl Stars alors que ça s'appelle j'ai pas envie de dire le nom. Non. Quatrième point qui, moi, me semble
Aussi très très important, c'est les modes de jeu. Pour moi, un jeu mobile, c'est pas comme un jeu console où on achète un jeu pour jouer à un truc, parce que forcément quand tu l'achètes, t'as envie d'y jouer, mais pour moi un jeu mobile, c'est un jeu où tu vas vouloir passer énormément d'heures dessus sans même vouloir dépenser un seul euro. Oui, sur jeu mobile, on est quand même assez radin, sauf ceux qui ont de l'argent, du coup, bah vont dépenser, mais ça on en parlera juste après. Là pour l'instant, on va parler des modes de jeu qui, pour moi, un jeu mobile ne doit pas contenir qu'un seul ou deux modes, il doit au minimum en contenir au moins 4. C'est-à-dire que ce soit des modes. Non, je vais pas l'apporter comme ça, mais que ce soit au moins des modes différents. J'ai pas envie de dire donner d'idées parce qu'après vous allez dire oui, t'as repris sur tel jeu. Non, voilà, j'ai pas envie de donner d'idées, mais très clairement, pour moi, 4 modes de jeu dans le sens où ça aurait peut-être rien à voir, où il y a un mode où vous allez jouer ensemble avec des potes, enfin, ou tout seul, tu vois. Donc pour moi, il faut qu'il y ait différents modes, et bien sûr, je vais pas demander un mode offline et un mode online, ça c'est pour moi, ça c'est pas faisable, parce que hein, quand c'est offline, c'est pourri. Sauf peut-être un mode pour s'entraîner, mais ça, bon, je vois pas l'intérêt des choses. Donc pour moi, déjà, ça va être forcément online, voilà, on va pas se le cacher. Tout doit être en ligne maintenant, il doit plus y avoir de jeux où tu joues tout seul dans ton coin, et voilà. Sinon, tu vas sur console ou PC, t'as plein de jeux comme ça, ou avec une histoire, hein. Sur mobile, je vois pas trop l'intérêt. Passons au cinquième point qui intéresse énormément de personnes, c'est les mises à jour quotidiennes. Voilà, quand je parle de mises à jour, je parle pas non plus de personnages du jeu, je parle pas de rajout de monnaie dans le jeu, ou changement d'un petit onglet, ou... Non, je parle vraiment de mises à jour quotidiennes, c'est-à-dire... Encore un nouvel exemple, j'ai pas envie de me baser sur ça, j'ai pas envie de vous dire oui, tu dis que Brawl Stars est parfait. Je dis pas que Brawl Stars est parfait, je dis juste que aujourd'hui Supercell, ils apportent des mises à jour quotidiennes. Et croyez-moi, quand les mises à jour sortent, moi qui joue maintenant de moins en moins à Brawl Stars, et bah j'y joue lors des mises à jour parce que je me dis, vas-y, c'est nouveau, fonçons. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeux mobiles qui sont dans le classement et qui sortent des mises à jour, mais pour moi, c'est des mises à jour un peu inutiles dans le sens où ils te sortent des skins, des personnages, en veux-tu, en voilà. Alors qu'on a attendu pendant très 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 longtemps, soit des nouveaux modes, soit des nouvelles maps. Parce que pour moi, dans un jeu où il y a un univers en 3D, il y a forcément des maps. Donc un maximum de maps, par exemple PUBG. PUBG, bah voilà, il y a 4 maps. Et bah voilà, tu t'amuses sur les 4 maps et croyez-moi que tu t'arrêtes pas. Parce que t'as soit en mode solo, soit duo, soit squad. Donc déjà, tu peux faire ces 3 modes-là en solo ou avec tes potes. Ou sur les voilà, ça s'arrête pas. Il y a un univers autour de cela qui s'est construit et t'as pas envie de sortir du jeu parce que tu te dis, il y a peut-être un truc que j'ai pas vu. Et pour moi, ça c'est très important, les mises à jour quotidiennes, dans le sens où t'apportes un truc qui va donner envie aux gens de venir et de ne pas partir. Parce qu'il y a des jeux, du coup, ils sortent des mises à jour. Tu vas juste voir, tu te dis, ah ouais, non, en fait, je peux pas y jouer. Et pourquoi tu peux pas y jouer? Parce qu'en fait, les mises à jour sont payantes, dans le sens où le truc qui sort, bah, en fait, c'est payant. Voilà, c'est comme un personnage, il sort, bah c'est payant. Ça, je mettrais pas ça en cause, voilà, c'est pour faire vivre les développeurs. Je peux comprendre que ce soit payant, mais de là à dire que dans une mise à jour, ouais, news update, et puis tu y vas, et puis tu fais, ah, ok, d'accord, faut acheter le personnage ou il faut acheter l'offre. Ah ouais, non, voilà, quoi. Non, pour moi, une vraie mise à jour, c'est peut-être... T'as une map, un Battle Royale, t'as une map, et bah bim, il y a des petits événements sur la map, type Fortnite, voilà. Je joue pas à Fortnite, mais je connais les événements parce que voilà, je suis abonné à la chaîne de Fortnite pour regarder les actualités, puis j'aime bien, ça me divertit, alors que j'ai joué 2 fois ou 3 fois sur Fortnite, rien du tout, et encore, j'ai joué sur mobile. C'est de vous dire le niveau, quoi. Donc voilà, pour moi, il faut qu'il y ait des mises à jour quotidiennes, que ce soit sur l'environnement du jeu, ou bien même sur les personnages. Sixième point qui, moi, commence à être moins utile, mais très utile quand t'es un gros joueur mobile, c'est le shop. Il faut qu'il y ait un shop équilibré et pas un shop... J'ai même pas envie de dire le mot. Déséquilibré, voilà, je vais faire comme ça, équilibré, déséquilibré. Dans le sens où il y a des jeux qui ont des shops, plus tu mets d'argent, plus tu gagnes. Voilà, ça c'est clair, plus tu mets d'argent, plus tu gagnes. Et puis il y a des shops de l'autre côté où tu peux mettre 4 fois le prix du jeu du développeur et bah tu seras pas plus fort. Voilà, c'est-à-dire que ça sera que apparence. Et il y a des jeux qui arrivent à faire la part des choses où voilà, c'est kiff-kiff, tu peux acheter le personnage, ça va t'apporter des points mais sans plus. Voilà, et pour moi il faut qu'il y ait un shop équilibré dans le sens où il faut que aussi les développeurs prennent conscience que les gens vont rester sur leur jeu si eux leur offrent des trucs. Voilà, récemment j'ai été surpris sur The Bar, bah j'ai eu un caractère pour un gemme. Je pensais que c'était moi, bah finalement c'était tout le monde, toute la communauté de The Bar. Bah je me suis dit putain, bah au final je pense qu'il y a plein de personnes qui ont du coup ont rejoué pendant 2-3 jours à The Bar parce qu'ils ont eu un nouveau caractère gratuit. Et ça c'est sûr à 100%. Donc pour moi, il faut qu'il y ait un shop équilibré qui puisse apporter énormément de choses à la communauté du jeu. Et ça, à moindre coût.
Autant qu'ils peuvent mettre des côtés payants, voilà, ça peut être un peu des extras ou dans le sens, t'as envie de mettre 10 balles, tu mets 10 balles et puis voilà, tu t'es fait pigeonner, mais au moins tu prends, tu kiffes parce que t'as un nouveau casque ou t'as un nouveau personnage. Mais de là à voir qu'un personnage dans un jeu mobile coûte, attendez, coûte entre 30 et 40 euros, et là pour moi c'est 40 balles dans un personnage de jeu téléphone. Non, pour moi c'est pas possible, c'est trop cher. Encore 40 euros pour avoir deux ou trois personnages avec des évolutions et tout, je veux bien. Mais t'en as à te vendre même des skins. Alors là j'ai pas envie de parler de Fortnite, hein, parce que Fortnite c'est sur PC il y a une très grosse communauté, donc j'ai pas envie de parler de ça, mais moi je parle que de sur mobile. Faut arrêter quoi, je vais pas citer de jeux, ni de nom. Mais il y en a certains qui, voilà, ça reste raisonnable, mais il y en a certains, des petits jeux, franchement ils abusent, et je pense qu'ils pourraient au moins faire un geste pour leur communauté, c'est-à-dire, ou sinon un pass. Et dans le pass, gratuit bien sûr, dans la partie gratuite, et bah y a, tu peux débloquer ce nouveau personnage si t'as fait tant de points durant la période imposée, voilà. J'ai oublié de reparler un peu des mises à jour dans le sens où un jeu qui a des bugs, je veux bien, un jeu qui a trop de bugs, je veux pas, tu vois. Donc ça fait partie de du côté graphisme également, s'il y a un peu de bugs, je veux bien, mais vaut mieux qu'il est régulé au fur et à mesure, tu vois. Septième point, ça rejoint un peu la sixième, c'est les récompenses quotidiennes, voilà, ça on en a déjà parlé du coup, c'est-à-dire que il faut que votre profil puisse acquérir des récompenses régulières, et je parle pas de la récompense gratuite dans le shop journalière, ça pour moi c'est rien, ça sert à rien. Pour moi, des récompenses quotidiennes, ça doit être t'es en jeu, t'as des missions, ou même des missions gratuites quoi, parce que, exemple, PUBG, t'as les missions gratuites et t'as les missions payantes. Tu prends les missions payantes, t'as le pass. Voilà, ça je veux bien, c'est raisonnable. Et t'as quand même un paquet de missions gratuites qui peuvent t'apporter quand même un paquet. Par exemple, PUBG, oui, je sais qu'il faut énormément de tryhard pour avoir pas mal de skins ou pour avoir quelques skins, tu vois. Mais autant t'as des jeux, t'as des missions. En fait, tu te retrouves qu'en fait, à la fin de saison, pour durant la période de mission, bah en fait, ça n'a rien du tout rapporté. Là, j'ai dit n'a rien rapporté, voilà. N'a rien rapporté. Très clairement. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Il faut qu'il y ait des récompenses quotidiennes à la communauté. Dans le sens où si les gens voient une news update, voilà là, et puis c'est allez hop, on donne à tout le monde, ou on propose à tout le monde de gagner ce skin, allez vous entretuer, allez jouer, tu vois. Ça va vous donner envie de venir, ça va vous donner envie de jouer et de rester. Parce que voilà, dès qu'il y a une mise à jour, il y a certains jeux, on va pas se cacher. Il y a une mise à jour, tu viens, mais tu repars tout aussitôt après. Voilà. Huitième point, c'est un point que moi je trouve super cool dans certains jeux qui sont quand même bien implantés depuis le temps, mais même dans des petits jeux là qui sont sortis récemment, un côté communautaire très très fort. Dans le sens où je parle dans le jeu et hors du jeu, c'est-à-dire dans le jeu, il faut qu'il y ait des clans. Un jeu qui n'a pas de clan, pour moi, c'est un jeu qui ne va pas survivre. Il y a énormément de jeux où t'as des clans, mais soit c'est trop cher à faire, soit c'est pas actif, ou soit bah ça sert à rien. Voilà, t'es dans un clan et puis tu te fais chier. Par exemple, Brawl Stars, depuis le temps qu'on attend une sorte de guerre de clan, ça pourrait être bien, non? Non, oui, ça pourrait être bien. T'as un clan, t'es dans ton clan, t'envoies une demande de combat pour un clan adverse, et du coup, chaque clan choisit 3 joueurs. Et ces 3 joueurs, ils partent en game en 2v3 ou... Voilà, ça peut être un truc qui peut être énormément intéressant pour un jeu mobile. C'est un côté communautaire au niveau des clans. Il faut qu'il y ait des clans et il faut qu'ils trouvent une animation autour des clans. Et hors du jeu, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a à disposition de tout le monde gratuitement Discord, Facebook, Instagram, tout. Même Snap, il y a même des jeux qui ont des snaps. What the fuck? Des snaps. Voilà, tu peux suivre l'actualité sur tous les réseaux sociaux alors que c'est un jeu mobile. Et ça, je trouve ça. Et bien sûr, hein, ce côté communautaire peut vous apporter énormément si toi t'es un développeur et que t'as envie de développer un jeu. Ça peut vous apporter énormément si vous alimentez comme énormément de produits les réseaux hors du jeu. Neuvième point, des activités au sein même des clans. Alors, moi tout à l'heure j'ai parlé des activités via les clans, mais là maintenant je vais parler au sein même des clans. Alors, il y a des clans qui sont un peu mous, dans le sens où il n'y a rien. T'es dedans, tu parles à tes potes, tu peux jouer avec eux, ça sert à rien d'autre, voilà. Autant il y a des clans, tu peux attaquer d'autres clans. Par exemple, Rushware à l'époque, quand c'est sorti, il y avait une guerre de clans dès le début, c'était un truc de ouf et tout. Mais il n'y a pas d'activité au sein même du clan. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien qu'ils développent un peu le côté... un côté au sein même des clans, c'est-à-dire que t'es dans un clan de 30 personnes,
eh ben, tu puisses leur proposer, toi en tant que chef de clan, des missions par exemple. Genre par exemple, toi t'es chef de clan, t'as un listing de missions qui t'est présenté chaque semaine, tu peux en choisir deux ou trois, et tu proposes ça aux gens de ton clan, et si les gens de ton clan réalisent ces missions comme toi tu peux les réussir, bim, tu récupères des récompenses dans le jeu. Et là comme ça, en tant que chef de clan, eh ben, tu vas peut-être aider des petits joueurs dans ton clan à vouloir rester parce qu'ils vont dire putain, j'ai les missions quotidiennes du jeu, j'ai les missions quotidiennes du clan. Ça va s'arrêter où là? Il y a trop de missions quoi. Et voilà, et vu que tu sais que les missions vont rester raisonnables dans le sens où il va falloir que tu joues un peu pour avoir toutes les missions et que tu joues moins pour avoir moins de missions. Ben voilà, donc ça pour moi c'est une activité au sein même des clans qui pour moi pourrait être très intéressante. Et si les gens réussissent ces missions, non seulement tu récupères des récompenses et non seulement tu fais gagner des récompenses à ton clan. Et ça je trouve ça très important dans le sens où après il y aura une guerre de clans très importante. Plus le clan sera volumineux, plus les gens feront les missions, et plus ils feront les missions, plus ils seront classés, et après t'auras un vrai classement de clan, non pas parce que t'as un joueur ou deux qui est numéro 1, mais tout simplement parce que tous les joueurs auront vraiment participé au clan, et tout le monde aura participé aux différents défis. Et enfin voilà les potes, on arrive au 10e point, et ce 10e point, c'est pas obligatoire, mais pour qu'un jeu aujourd'hui vive, et pour moi survive, c'est le mode compétitif. On va pas se le cacher, un mode compétitif aujourd'hui, on est énormément à vouloir vivre du e-sport, alors que on va pas se le cacher, hein, dans le jeu mobile, je pense pas qu'il y en a qui vivent. Ici, peut-être qu'il y en a un ou deux qui doivent y vivre. Il y en a pas énormément. Le trois quarts du temps, c'est des streamers qui font des compétitions, et c'est là qu'ils gagnent de l'argent, c'est grâce au streaming, au partenariat et autres. C'est pas la compétition qu'ils font avec une grosse production, et puis on les voit sur scène avec 15 000 viewers sur stream YouTube ou Twitch, et voilà, non, non. Pour moi, c'était pas ça le vrai côté e-sport. Le vrai côté e-sport, on va pas se le cacher, hein, c'est du Fortnite quand t'as des tournois à je sais pas combien de millions d'euros, tu vois. Hein. Ou même les Brawl Stars, là, ils ont tapé fort avec le 1 million, si je me cache pas, de cash price. Mais bon, voilà, faut avoir une vie derrière. Financièrement, je sais pas comment ils font, les mecs, parce qu'il y en a qui jouent toute la journée. Encore une fois, faut être streamer. Ou peut-être youtubeur. Voilà, on va pas se le cacher. Mais c'est pas toi, caissier à Monoprix, qui fait du 8h à 19h, qui va jouer le soir jusqu'à minuit pour pouvoir tryhard. C'est possible. Mais le jour où tu vas devoir partir à l'autre bout du monde, crois-moi, ça va pas être possible. Ah oui, ils vont te la payer, mais toi, ton patron va te dire « Ah ouais, tu veux partir en 3 semaines ? Ah ouais, ah ouais. » Lol. Donc voilà, pour moi, il faudrait qu'il y ait un mode compétitif. Et attendez, je reviens encore au deuxième, non, au quatrième point, c'est un mode détente. Voilà, faut pas que le jeu soit 100% dans la compétition, tu joues, tu perds, tu sais que tu sers à rien. Non, faut quand même que tu prennes du plaisir, par exemple PUBG, on va pas se cacher. Là, il y a un mode compétitif qui est en train de se développer là en France, pour ensuite que les joueurs français puissent rentrer dans des tournois européens. PUBG, tu peux très bien y jouer. Et tu peux très bien tryhard. Tu joues, tu te fais plaisir, tu vas à l'autre bout de la map, tu campes, tu fais des top 1. Autant tu vas tryhard, tu vas dans un coin d'une map, c'est où il y a du monde, voilà, tu fais un carnage, et là tu grades en échelon, en échelon, en échelon, puis dès que t'es en tournoi, t'es chaud, et puis tu baraques tout le monde, tu vois. C'est pas un jeu où tu te dis, putain, je sais que si je joue, je vais me faire casser la gueule, tu vois. Voilà. Par exemple, pas me cacher, Brawl Star, bah c'est sûr que j'aurais pas mis l'argent que j'aurais mis dedans, aujourd'hui j'en serais pas là. Ça, ça va pas se cacher. J'ai mis énormément, j'ai pas envie de savoir, mais j'ai mis énormément. Et aujourd'hui, j'en serai pas là. Aujourd'hui, je mets plus rien, mais j'en serai pas là. Et j'ai oublié un petit dernier point qui va avec le point numéro 10, bien sûr. C'est un mode spectateur. Mode spectateur, pour moi, c'est très important dans le sens où c'est lui qui va vous apporter le mode compétitif. Que ça soit niveau professionnel ou amateur ou streamer ou youtubeur, tout ce que tu veux. Dès qu'il y a un mode spectateur, croyez-moi, ça donne envie aux personnes de faire des compétitions. Et du coup, ça donne envie aux gens de rester pour tryhard, pour être vu, pour peut-être participer au premier tournoi. Par exemple, un jeu qui sort au bout de 2 ans. Rien ne l'empêche de faire un tournoi online. Je donne un exemple. Prague. Ils ont attendu combien de temps pour faire un tournoi? Moins d'un an. Voilà, il n'y a pas énormément de monde qui était accroché au tournoi. On connaissait pas trop les joueurs. Mais voilà. Moi, je sais qu'il y aurait un mode spectateur sans Frag. Mais j'aurais fait un tournoi depuis le début. Il y a plein de jeux comme ça. Zoba, il y aurait un mode spectateur. Bon, les potes, tout le monde rejoint mon clan. On organise un tournoi. Bim, c'est parti. Puis je fais un live. Live tournoi Zoba. Cash price ou pas cash price. Pour moi, il faut qu'il y ait un mode spectateur, ou bien même pour que vous puissiez regarder des grands joueurs, des gros joueurs, comme il y a sur Brawl Stars. Aujourd'hui, ça vous donne envie de jouer à Brawl Stars, parce que vous voyez quoi? Vous voyez 3 pèlerins, là, sur une map, là, en train de casser tout le monde, en Brawl Ball, en Gem, en Prime, parce qu'il y a le mode spectateur. Il n'y aurait pas le mode spectateur, vous verrez juste le nombre de trophées, et tu te dis, comment il fait? Voilà, comment il fait? T'apprends rien? Ah bah si, tu vas prendre parce qu'il y en a un qui stream, ou il y en a un qui live, mais ça s'arrête là. Et pour moi, il faut qu'il y ait un mode spectateur, et là, c'est là que ça va vous donner envie de rester, de vouloir jouer, et bien sûr, de kiffer.
Donc voilà les potes, je pense avoir tout résumé. C'est une vidéo très particulière que j'ai faite dans le sens où, où ça me tenait à cœur. Voilà, j'y avais déjà pensé à l'époque, mais c'est vrai que là avec, avec le confinement, j'ai pas trop envie de m'abrutir avec des jeux mobiles toute la journée, tout le temps. Bien sûr que je joue tout le temps à PUBG, mais voilà, il y a énormément de jeux pour lesquels j'ai envie de faire des vidéos, mais j'ai pas envie non plus d'en abuser. Voilà, on va pas citer de nom, mais on le voit sur ma chaîne, hein, y a des jeux que je fais couramment, j'ai pas envie d'en abuser, ça je l'ai déjà dit. Donc voilà. Donc les potes, faut pas oublier la boîte à pouces bleus, hein. Donc pour ceux qui ont des petites donations à faire, n'hésitez pas à le faire. La boîte à pouces bleus, elle est là. Bien sûr, je vais la mettre ici. Comme ça, tout le monde la verra. Hop. Voilà, la boîte à pouces bleus. Normalement, on doit la voir de la cam, de la webcam. Oh, on la voit très bien même. On la voit très bien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez des points à rajouter, moi je me suis limité à 10 points. Peut-être que dans un an je ferai mise à jour de mon idée de pensée du meilleur jeu mobile. Peut-être que dans un an je dirais le mode compétitif, faut totalement l'écarter, faut faire un shop totalement payant. Voilà, on sait jamais. On sait pas de quoi sera fait demain. Mais tout ce que je peux vous dire les potes, c'est que merci à vous de m'avoir regardé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ou une très bonne fin de soirée, je sais toujours pas. Pourquoi je dis ça? C'était FC Strike. Bye bye.